Je veux bien, Véronique, tu vas regarder la caméra en arrière de moi, dire ton nom, ton âge et d'où tu viens. Mon nom, c'est Véronique Claveau. C'était quoi la deuxième? Ton âge et d'où tu viens. 21 ans et je viens de Québec. Qu'est-ce que tu vas chanter, Véronique? Hollywood Freak de Diane Dufresne. OK, quand tu veux. Maman, si tu me voyais, tu serais fière de ta fille. Quand je sors le soir sur Sunset Boulevard, tous les gens qui passent me prennent pour une star. Les vraies stars sont rares à Hollywood. Je me suis acheté une robe décolletée en cœur comme Marilyn Monroe, des lunettes noires qui me font les yeux dans le beurre comme Greta Garbo. Pieds de longueur à la Chinalo. Je me déguise en ancienne annonce de Coca-Cola. Il faut qu'il y en ait une qu'il fasse. Il faut qu'il y en ait une qu'il fasse. Il faut qu'il y en ait une qu'il fasse. Bravo, c'est bravo, très bien. Wow. Bravo, wow. Bravo, bravo. Merci. Parle-nous un peu plus de toi. Tu as suivi des cours de chant? Oui, depuis l'âge de 15 ans. OK. À Québec, à l'école Arquemuse. OK. Pourquoi tu es venue ici, à Rimouski, pour les auditions? Ça fait une semaine que je suis installée dans la région. OK. Puis ça a donné comme ça. Pour tes études? Non. Non? Non. Comme ça? Oui. Okay. Pour changer d'air. Et pourquoi de toutes les belles villes du Québec, tu as choisi Rimouski? Il y a mon copain qui étudie ici, en biologie, à l'université. Okay. C'est une bonne raison. C'est une très bonne raison. Okay. Ça me tentait aussi de changer d'air. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Chanter. Chanter. Es-tu quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions ou qui oui. garde ça un peu en dedans? Je suis très sensible. OK, mais est-ce que tu le dis tout de suite ou tu gardes ça en dedans? Je peux le dire assez rapidement. Ouais, t'es prompt des fois? Oui. OK. Non, c'est bien. Un scorpion. Oui. Un jojo, toi. Ouais. J'ai piqué. Très satisfaite. Oui, je suis vraiment contente. C'est pas facile. C'est stressant. Mais les juges sont bons. Mm-hmm. Ils nous mettent à l'aise. Puis j'ai eu des bons commentaires. Je suis contente. Est-ce que t'es venue parce que t'avais envie, toi, de faire l'audition ou t'as été aussi stimulée par tes proches? Ah, ben c'est les deux. Parce que je me suis fait dire, depuis que le phénomène est arrivé, là, pourquoi t'as pas fait Star Academy? Je me le suis fait dire des milliers de fois. C'est les deux, c'est sûr. Mais j'avais le goût de le faire, c'est sûr. Si c'est parce que j'avais le goût de le faire. Mm-hmm. Ta famille t'encourage beaucoup? Beaucoup. Ils sont là. Ils sont très, très, très présents. Allez,